Accouche. Accouche. Baisse-toi. Demande-lui si tu peux l'embrasser. Ok, avance. Avance à la partie. Non, Epico. Oui, regarde. Rentre sous la table. Il insulte, il chope des croissants, des chocos. Baisse les yeux. Vas-y, attache. Je t'ai dit de baisser les yeux. Regarde-la intensément. Apprends à dire non. Perdu. 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 Ok, juste une. Maintenant, dis-lui que je l'aime. Demande si tu peux toucher. Je peux toucher ? Demande si c'est elle. C'est toi ? Alors, Jérémy, qu'est-ce que t'en penses ? Assez impressionnant, ils ont l'air forts. On peut allumer la caméra, s'il vous plaît ? Avec moi, Jérémy. Oublie-les. Qu'est-ce que tu vois là ? Moi. Et ça te plaît ? Je sais pas trop. T'as une idée de Dieu ? Ouais, j'ai une idée, ouais. C'est quoi ? Ce serait un perso qui s'appellerait Zlotar le Dévoreur. Et on le paierait pour le regarder manger des trucs. Et plus on paye, plus il mange. Quoi. On peut voir ? Je peux essayer, ouais. Je suis Zlotar, le dévoreur. Jérémy, tu te lèves, s'il te plaît ? Papa ? Viens, Jérémy. Tu lui donnes combien, mon père ? Je sais pas, la quarantaine. La quarantaine ? Jérémy, regarde derrière toi. Regarde ses cheveux, sa barbe, ses yeux. Il a l'air d'avoir quel âge, là ? Plutôt la cinquantaine. T'as quel âge, papa ? 50 ans. Et ça te dérange ? Non. Et il a l'air comment, là ? Sympathique ? Chaleureux ? Oui. Non ? Jérémy, il a l'air comment, là ? T'irais boire un verre avec lui ? Non, c'est vrai que... Voilà.
Il a 50 ans et il a pas l'air sympa. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave, papa ? Parce que c'est moi. Parce que c'est lui. Et il peut jouer avec ça. Parce que ça fait partie de lui, tu comprends ? Et toi, faut que tu fasses pareil, Jérémy. Ok ? Ok. Tu peux te rasseoir. Alors, je suis Zlatar, le dévoreur. Je suis... Non. Jérémy, le désir, c'est de la vitesse. Hmm? Tu vois, il y a un temps de latence entre la prise de vue et l'image. Il faut pas qu'il y ait de latence dans ta tête. On reprend. Je suis l'autre. Un quart de seconde, Jérémy. Le quart de seconde, c'est du doute. Il peut pas y avoir de doute entre ton joueur et toi. On reprend. Je suis Lothar, le dévoreur. Je suis Lothar, le dévoreur. Encore. Je suis Lothar, le dévoreur. Plus fort. Je suis Lothar, le dévoreur. Avance. Je suis Lothar, le dévoreur. Encore. Je suis Lothar, le dévoreur. Encore. Je suis Lothar, le dévoreur. Je vais manger tes sangliers. Je vais manger tes sangliers. Je vais manger tes poulardes. Je vais manger tes poulardes. Je vais manger tes kiris. Je vais manger tes... Jérémy, tu crois que les joueurs vont toujours te demander de manger des mets d'exception ? Tu dois jouer avec la même intensité des sangliers et des kiris, ok ? On reprend. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes sangliers. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes sangliers. Tes poulardes. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes poulardes. Tes kiris. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes kiris. Allez. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes faisans. Plus fort. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes poulets. Ok, ça me va. Lou, à toi. Reprends, Jérémy. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes poulets. La voix, Cyril. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes faisans. Je suis Lothar, et j'ai faim. Du rouge, s'il te plaît. Je suis Lothar, le dévoreur, et je veux manger ton foie. Réverbe. Je suis Lothar, le dévoreur, et je vais manger tes kiris. Je suis Lothar, et j'ai faim. Du pixel. Donne-moi à manger. J'ai faim. Encore. Épopée, s'il te plaît. Je suis Lothar et je veux que tu me donnes à manger. Oui. Du corps, du corps, du corps. J'ai faim. Ok, trouve une fin. Nourris-moi ! On peut retrouver l'image du départ. Ça va, Jérémy ? Ça va. Bah, tu vois, là, ton Zlothar. Qu'est-ce que tu penses de cette image, là, maintenant ? Je sais pas trop. À mon avis, tu sais un peu plus que tout à l'heure, non ? Moi, je l'aime bien, cette image-là. Je l'aime beaucoup. Je crois même que
Si j'étais joueur, est-ce qu'on peut avoir une musique triste et romantique? Je crois que c'est cette image-là que je choisirais. T'as apporté quelque chose à manger? Oui. Tu veux bien aller le chercher? Oui. Bonjour Jérémy. Bonjour. C'est Lubellule. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, Jérémy? Salut Libellule. Aujourd'hui, c'est de la tarte aux pommes. De la tarte aux pommes. Tu veux bien manger un petit morceau? Avec plaisir. Je suis Laurent Bazin, Fabien Joubert, Lou, sa fille, et Jérémy, merci beaucoup. Ce que vous venez de voir, ces deux morceaux que vous venez de voir, ils sont assez emblématiques du spectacle qu'on va vous proposer, qui s'appelle Plémy. L'extrait de film correspond à la toute première partie du spectacle, dans le déroulé du spectacle. Quand le spectateur réservera sa place, il sera invité à réserver un créneau de visionnage en réalité virtuelle. Alors on ne pouvait pas vous faire essayer, et puis les expériences ne sont pas encore faites, des expériences en réalité virtuelle autour de Plémy, mais ça nous paraissait important, à travers ce petit film qu'on a fait, de vous restituer le type d'expérience et le type d'immersion que vous pouviez avoir. Donc, dans le premier moment du spectacle, ce que le spectateur sera invité à vivre, ce sont d'anciennes parties de Plémy qui ont été jouées. Alors, il pourra se balader à l'intérieur de différents joueurs, et il y aura autant de joueurs que de personnalités, et même des types de jeux dont le principe est toujours le même, vous l'avez compris. Des jouets, des acteurs, se mettent à disponibilité de joueurs pour, comme s'ils étaient des personnages de jeux vidéo, sauf qu'au lieu d'être des personnages digitaux, ce sont des êtres réels. Donc, dans la première partie, en amont de la représentation, vous rentrez dans une expérience en réalité virtuelle. Une fois que vous avez vu cette expérience en réalité virtuelle, qui a lieu soit dans le hall du théâtre, soit dans une salle affectée, soit éventuellement, pourquoi pas, dans le théâtre avec une petite rotation. Je précise par ailleurs qu'on a déjà un parc de 40 casques et qu'il faudrait à peu près, pour avoir une rotation efficace et des belles salles, 80 casques. Vous entrez dans la salle et là, vous êtes le Fabien s'adresse à vous comme si vous étiez des futurs jouets. Mais comme vous êtes que stagiaire, vous n'allez pas être trop mis à contribution, mais quatre acteurs vont être mis à contribution, qui vont être justement les futurs jouets. Et ils sont là dans une sorte de stage de coaching d'amélioration, mené par Fabien et par sa fille. Jérémy en est un exemple, mais vous aurez aussi Marianne. Chacun correspond à un chapitre de la gradation du spectacle. Jérémy, bah, vous avez vu le personnage que c'est et qui permet de poser la question de qu'est-ce que c'est, même si on mange pour de faux, même si on fait pour de faux. Je pense souvent à la question des catcheurs, on dit oh, les catcheurs c'est du chiquet. On a bien vu qu'en réalité, même ceux dont le métier est de contrefaire s'exerce une forme de violence. Et quelle est la subtilité de cette violence-là et quelle est la part de participation qu'on a à cette violence-là.
Marianne est quelqu'un qui est un peu plus âgé, dont le personnage se sera de discuter, mais comment on change de rôle? Comment on change de rôle? Et c'est aussi une question qui nous traverse à tous les âges de la vie. Il y aura aussi, évidemment, le personnage de Lou, qui est emblématique, qui pour l'instant est complice de son père, mais qui, à un moment, va se proposer elle-même de devenir jouée, j'espère que tout est clair, et qui va mettre à l'épreuve les convictions de son père. Pour l'instant, le père coach les jouets comme si, au fond, il ne mettait pas d'eux-mêmes en jeu. Il leur donne une armure en disant « on va t'équiper pour que ce ne soit pas forcément toi, et même quand ça a l'air d'être toi, ça n'est pas toi qui es exposé ». Comment réagira-t-il quand il s'agira de sa fille ? La toute dernière partie, au fil des chapitres, les exigences montent, et l'idée c'est de dire si la mission de ce spectacle c'est de préparer des futurs jouets à de véritables parties de Flémy, qu'est-ce qui va se passer quand on sera dans l'espace public? Et donc le désir c'est de partir du plateau de théâtre, de garder la retransmission de la partie en direct, voire de la voir sur Twitch en ligne, mais de s'imaginer que la partie se continue dans la rue. Il y a une spécificité, c'est qu'on va demander une participation aux spectateurs, mais elle sera totalement optionnelle et totalement calibrée et maîtrisée. Il ne s'agit pas de laisser tout le monde faire n'importe quoi et sans créer trop de malaise. Bien sûr que le malaise fait partie du spectacle. On va essayer d'impliquer, par exemple à titre de pur décor, de pur figurant, les spectateurs qui seraient disponibles pour le faire. Le temps passe et j'ai peu de temps pour développer. Je pense qu'on va laisser ça pour les questions. Je vais faire un tout petit point simplement peut-être sur la question du financement, de dire que le gros budget, le gros poste budgétaire, il est évidemment sur la question de l'expérience en réalité virtuelle. Vous précisez qu'on en a déjà fait deux qui ont été notamment largement portés par le CNC entre 50 000 et 100 000 euros, et que le grand enjeu pour nous, c'est plus la question de trouver des coproducteurs sur la partie théâtre, puisque sur le volet entre guillemets cinématographique et immersif, je suis accompagné de Lynn Abrahamatic de Gengis Khan Productions, avec qui on est très aguerri sur la question du financement des nouvelles technologies. Une dernière précision, j'ai oublié de le dire, ce projet est porté par deux compagnies. C'est aussi important pour des projets de cette envergure de mutualiser ses forces. La mienne, c'est la compagnie Mesden, et celle de Fabien Joubert, qui est située dans le Grand Est et qui s'appelle la compagnie O Brother. Voilà, on a hâte de partager ça avec vous. La création est prévue en décembre 23 au Théâtre 13. Et puis, on a plein de partenariats en cours, mais on en reparlera.